Chi ti accade, boh? Indovina tu quale appuntamento stasera con una zidilla. Ah, wow. Adio già un numero di un pezzone, di un pacchetto. E come hai fatto per buscare il suo numero? È un po' di rentrare dedans, oui. Oh, e che è previsto stasera? Ah, non lo so. Non so se gli faccio uso con stato, ele, che la disbuva da vittura. Oh, mi stonava. Non mi faccio i freni, papà. M'imbriac, quoi? Tu es Pierre-André? Non, Paul-André. Aspite, ad una storia qui t'a da faride. Aïe, aïe. Cosa è che è ciugo, piloso, e qui passa di per tutto? Un laso mica. Fide già non tutto gol, hai da vedere. Oh, facce mica ride! E io mi compaccoggio. Ma biquette, hmm? Si ce soir je sors faire un apéro, ça te dérange? D'accord. Comment ça, d'accord? Bah, comme tu veux. Ah, j'ai compris. C'est un piège, tu me testes. Pas du tout. Je me ferai une petite soirée lecture en solitaire, ça me dérange pas du tout. Hein. Sérieusement? Enfin, quand même, cette semaine, je suis sorti faire 3 apéros, ça te dérange pas? Et alors? Et alors, ben, moi je trouve que ça fait trop. Je vais quand même pas passer tout mon temps de libre au bar. Non? Si tu le dis. Ben oui, c'est décidé, on passe la soirée en amoureux, toi et moi. Alors, notre couple avant les apéros quand même. Oui, allô? Oui, ça va. Je pourrais pas venir, hein, oui. Non, c'est parce que c'est ma femme, elle me fait une crise énorme, là. Oh, ouais, c'est plus volé, ouais. D'accord? Ben, vous savez ce que c'est, hein. Salut. Orlando, c'est des dans la guille? Comme dans la guille? Non, t'as l'ordinateur, hein? Ah, il y a des dans sur tapis à l'aria. Ah, ma vie, on s'en met qu'à eux. Cosa? On s'en met qu'à eux. Diamo vivo, là. Au chou de gerbelle aussi. Non, ils sont tellement rapides qu'ils sont déjà partout de mon stampé stade au guille. A un momento io ci ho più maccioli in faccia. Ma allora ce l'ho che tendessi in barro perché sono qua là. Ma dici mi do che è un... Che donc? Si di qui e in baratempo? Di l'ubiquità. Guarda tutto l'ubiquità. Ma sai io. E là. Basta berugli, eh. Per me è stata una lunga giornata, no? Lunga, come un mese in maggio. Che hai fatto stamane? E nonda. Ah, e a mezz'ora? Nonda, abbiamo mangiato. Ah, quantunque, oh, vabbè. E do mezz'ora? Nonda, con più sforzo che stamane, vedi? Ma sì, vero, oh, vabbè. E stasera? Beh, nonda, abbiamo rivelato da sai. Ah, non hai fatto nonda, qua. E ti rendi conto che sono stanco morto? Quanto di città avevi lavorato? Sì, io me la gilla. Oh. Scemo. Cerco una parola per se plaindre. Un trovi mica. Ti ha tua prima qualità, no? Scrivo un monologo per la teoria di teatro. Voglio giocare i nostri desti. Allora fa un muso, vabbè. Appena più serio. Allora un laso. Ti ringrazio. Guarda. Ti piace sta roda? Cosa? La giuda piglia per avesta di cacare. Ah, tutte le occasioni sono buone, hein? Oh, pianta di lagnati. Lagnati? Mica male. Beh, tu vois quand tu veux. Regarde. J'ai réessayé la recette de ma monnaie. Cette fois-ci, ça y est, j'ai réussi. Fais voir. Ça sent bon, hein? Ouais. Quoi, c'est pas bon? Si. Ah. Si, si. Au contraire. Très, très bon. D'ailleurs, ta grand-mère serait fière. Ah ouais? Ah ouais.
Oh, je suis contente. Du coup, je vais pouvoir les emmener au conseil municipal. Attends, tu préfères pas me les laisser plus tôt? Ça va, chérie, je t'en referai, maintenant que je maîtrise. Oui, mais moi, c'est cela que je veux garder. C'est toi qui les as fait, alors moi, je veux les garder. Et puis, à la mairie, ils s'en fichent, des canistrés, ils vont pas apprécier. Oh, qu'est-ce que te prends? Ça veut dire, à la mairie, ils vont pas les apprécier. Ils sont pas bons, mes canistrés, ils... Si, si, ils sont très, très bons. Hein. C'est ça, ils sont pas bons? Dis-le, ils sont pas bons. C'est ça, ils sont pas... Tu m'énerves. Tu sais quoi? Tu m'énerves. Voilà. Cristaccio! Cosa fai? Bacio Cristo, per proteggermi dei vostri sistemi. Ma sai chi è un amico Uero Cristo? È simbolico, e poi cosa ci capite voi? Ma senti, io sono cercato a Cristo, non lo cercherebbe mica a me se lo dico. E in dove lo cercherete? Non lo cerco mica io trovo. Te, ok Google, in dove è Cristo? Dans l'Evangile selon Saint Marc, il est dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Ah, Reggio, de esse vero Cristo, perché tu posi amo diritto.